J'ai un anniversaire. Donc c'est qu'on m'a fait mon personal shopper. On va faire le meilleur, parce que là on n'a pas le temps. J'étais à la station d'essence, mettre de l'essence. Bah logique, à la station d'essence je vais pas boire de l'eau quoi. Et j'ai oublié de lui mettre la couche et vient de faire pipi. Mon rêve devient une réalité. Oh, il y a que des petits ici. On dirait juste à Hollywood. Welcome to Disneyland, I am Grace. Lift me up. Et nous, ma mère, on n'a pas du tout. Ferme ma neige, on rentre. C'est Nemo. Wow. Il y a des méduses. On est tombé en panne. Il y a plus d'essence. T'as un peu coup de temps. Been broken, although I'm not worthy. You fix me, now I'm blinded by your grace. You came and saved me. Let's go to Bordeaux, my bro. Let's go in Bordeaux, Bordeaux City, mon yak. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. On prend la route direction Bordeaux, là on met l'essence. Je suis avec Grand Moniteur de Paris. À Bordeaux, il y a Abo qui nous attend. Mais vous allez m'accompagner les gars. Parce que ce permis, on va le choper en fait. Pourquoi je serai à Bordeaux? Je vous expliquerai tout plus tard. On est descendu. C'est le seul moment où on va s'arrêter. Après on s'arrête. Pouf. Moi j'ai envie de grignoter en fait. Voilà. C'est 60 centimes de base, hein. Ça coûte 2,60€. Et Allahu Akbar. On veut pas de jus de pomme. On va prendre du Oasis. One eternity later. On est arrivé à 11h50. Oh là, il a conduit vite, hein. Tchè. Voilà avec ma gros sac là. Bonjour Abou, comment ça va? Ça va et toi? T'as fait bon voyage? Ouais, j'ai fait un bon voyage. Mais toi, t'es venu de pro, t'étais pas avec nous? Comment ça? Pourquoi t'étais pas avec nous alors? J'avais des trucs à faire, donc voilà. Franchement, je me sens super bien. Ok. Je sais que ça va très bien se passer dans tous les cas. J'ai eu des bons moniteurs et tout, ils m'ont super bien appris. Donc en vrai, de vrai, je stresse pas. Ton état d'esprit mentalement, alors Franchement, tout va bien. J'ai fait une séance de coaching et tout ça, ça m'a beaucoup aidé. Du coup, là, les gars, c'est moi, je commence à conduire en premier. Abou, il est là. Voilà, je suis là. Vous connaissez déjà. C'est moi, Uber, aujourd'hui. Ah, Ubero. On va parler déjà du parcours. Ok. Comment t'as trouvé le parcours? Franchement, ça va. Il est pas compliqué, il n'y a pas de piège. Donc en vrai, c'est juste de la concentration. Voilà. Je pense que c'est un parcours parmi tant d'autres. Ouais, ouais. Hein, on aurait pu rentrer dans des petites rues, etc. Ok. On va faire un autre parcours avec Abou. Ok. On va essayer de faire à peu près ainsi, le même parcours à peu près. Il n'y a pas trop de pièges. Ensuite, on va monter 5e. Ok. Est-ce que tu as fait des fautes éliminatoires? Je dirais non, mais juste par exemple, quand je pensais que fallait tourner là, quoi. Ouais. Mais à ce moment-là, sinon, je trouve que non. Tu n'as pas eu d'intervention au niveau des pédales? Quelques interventions verbales. Ouais. Il va falloir y remédier, ça veut dire qu'il va falloir que moi je ne parle plus. Hein. Ok. Donc en gros ça veut dire, des fois je te disais sois un peu plus dynamique. Ouais. Donc, en fait c'est à toi de prendre l'initiative, de mettre ta patate. Hein. Tu rentres dans un giratoire, remets de l'accélération. Ok. Pour dégager. Yeah. Ok. Ouais. Contrôle, bon j'ai bien aimé, tu fais bien tes contrôles, y a pas de soucis. Juste, des fois les clignotants tu mets un peu tardivement. Ah ok ouais. Okay. Ouais. Bon, c'est pas des fautes éliminatoires mais bon. La zone où on est passé de 80 après à 50 et après de 50 à 30. Ouais. Je pense que si je te l'aurais pas dit, ouais. Je pense que t'aurais ton excès de vitesse. Ouais je pense aussi. T'es le premier à conduire. Franchement, Dieu il sait pourquoi il nous a envoyé ici. Les gars c'est easy. Comment ça se passe bien, le moniteur, rien à chier. On est pas à Bordeaux, on est à Mérignac. Voilà. T'es prêt à bout? Bien sûr, je suis prêt. T'as dit bismillah? T'as bien fait si tout le monde est bien attaché? Oh, moi, je pense à ça, hein. À la fin. La pause, il est 15h, franchement, non, il est 16h là. 16 depuis, on va dans un grec pour manger. Le militaire. J'aime pas, on est là ensemble. C'est lui qui nous conduit depuis, il est quelle heure là, depuis midi? Franchement, ça va, on n'est pas compliqué? Non, tranquille, facile à gérer, c'est bien, vous écoutez.
Maintenant, tout est entre vos mains. Voilà, tout est entre vos mains, vos mains. Eh, mamie, on verra demain, Inch'Allah. Bon appétit. Merci, merci. Ah, ta caméra sur moi. Eh, toi, t'as trop en problème quand je filme. Laisse-moi faire mon travail de youtubeur. Vas-y, montre-nous comment tu manges. Mamie, va là-bas. Ouais, tu me dis sur YouTube, mamie. J'avais pas tes plaintes. Monsieur, moi, si je pourrais avoir une fourchette, s'il vous plaît. J'étais à la Fnac pour acheter mes écouteurs et tout. Et là, je regarde mes TikTok à droite parce qu'il y avait une grande queue et tout. Et là, je vois marqué en haut, poupette, donc définitivement banni de strap. Mon cœur, il s'est arrêté là-bas. J'ai dit, c'est faux, on dit, c'est rien. Je regarde les commentaires, je me suis dit, peut-être que c'est un fake news et tout. Je regarde les commentaires et les gens disent, ouais, je suis trop triste et tout. Et là, je me suis effondré en larmes et tout. Je commence à pleurer et tout. Après, le vigile est venu et tout. Il a commencé à me dire, il m'a passé un mouchoir et tout. Tu t'es mis par terre aussi? Mais laisse-moi tranquille. Oui, j'ai des galipettes, tout ça là. Excuse-moi. Ah mais tu coupes les parties hein. Quelle partie? Bah toutes ces parties là, yougou, là, je ne couperai pas. Sur Bordeaux, ouais. Tu aurais été coiffé quand? Je sais pas. Ouais, c'est quoi. Bien. Tout seul en tout cas. On verra un. Moi je suis fou. Allez, c'est toi qui conduis. T'as fait ta bouche là. J'aurais bien aimé digérer un peu. Mais bon, là, on y va. Merci hein. Merci, t'as payé. T'as to say bye bye yo, bye bye yo, to the love of my life. Ni wari kodo, ne be wari dima, ngane soro nina. Farasi sira kajande, tisto si mali de. Jamadie na mo, sante na jera bilaye. Show! Jamadie na mo, sante na jera bilaye. Madonna, boom boom Madonna. Aladi ayo mo Madonna. Okay. C'est à moi de prendre les commandes. On échange les rôles. Il est 19h30. Depuis midi, on conduit, wesh. On a commencé à conduire à quelle heure? À 12h30 exactement. Oh, voilà, allez toi. En plus, c'est moi j'ai commencé à conduire en premier. C'est moi j'ai commencé à conduire en premier en plus, c'est pas tu veux quoi. Bref, depuis, j'ai dit depuis 12h30 on conduit. Mais il est fou ou quoi lui? On est épuisé. On est fatigué. Mais il y a le moral ou pas? Bien sûr, okay. On est prêt pour demain. Vous ça va? Ça va alhamdoulilah et toi? J'entends rien. Ça va alhamdoulilah et toi? Là Abou il conduit 30 minutes, après je conduis 30 minutes. Non tu peux pas être 30 minutes. Si. Et après direction l'hôtel pour se reposer. Fatigué. Et demain c'est le jour J. Il y a l'hôtel au pire. Ouais bah oui. C'est mieux. Ouais c'est ça. T'es fatigué. Tu vas manger non? Vous voulez pas? Non. Hein? Tu vas manger Marie? Ah finalement, bah c'est bon. Mais il est fou lui. On va manger quoi? Et non mais... Attends, si, attends, je regarde Uber Eats, il y a Uber Eats, c'est bon. Moi, en fait, moi, tu sais, ma mère, il veut quoi? Je veux de l'eau. Comme c'est mon petit jour, j'ai acheté de l'eau. Mais un but, ouais. Je t'envoie l'argent sur PayPal. Je vais te punir, je suis pas Bordeaux, tu vas boire du robinet aujourd'hui. La caméra, elle s'est fatiguée, moi, hello les gars. Pas de bavit. Là, on va à Carrefour. Bavit, le gars, il attend. Non, mais. Faut couper ça, comment on coupe ça? Telle ma caméra. J'ai préféré aller à Carrefour. Comme ça on achète vas-y de quoi grignoter cette nuit et même comme ça demain on prend un petit déjeuner au lieu d'aller encore quelque part d'autre etc etc parce que demain c'est le jour J. Tabarko. Tu veux pas quelque chose par hasard? Hey FaceTime. Il a pris sa caméra tout de suite, elle a dit ouais Abou viens tu fais genre et tu prends la caméra. Tu veux que je fasse quoi? S'il te plaît. Moi j'aime. Pomme. Petite pomme. Mais bon, on va prendre du chocolat en tout cas, je te dis déjà. Chocolat. Allez toi, MDR. Chocolat ou bah, rien. Voilà, voilà. On va prendre du chocolat. On va prendre du chocolat. J'ai une tête. Yes. Laisse-moi mettre ma capuche. Avec ou sans capuche, c'est ton visage.
Amé, mon cara. Abou, pardon. Je ne te permets pas de me parler. La voiture nous attend. J'avoue, vas-y, viens, fais vite, ça c'est pas en vrai. Tu vas prendre ça. C'est le petit chinois, y'a rien. Abou, tout ça, ouais, moi, c'est le petit chinois, arrête là. On est en primaire. Au pire, ça, faut quoi, toi, tu prends un truc, moi, je prends un truc. Moi, j'ai déjà pris ça. Arrête de faire mec. Ah, mais tiens. Tu sais, là, aujourd'hui, on est sur le chouïa à la vie. Mon pilote de la journée, oh. Attends, je veux ça. Et je veux... C'est lui qui ramasse. Donc, je profite ou pas? Ça, je profite, je prends plein de gâteaux et tout. Je refais mon riz. Ah, mais tu profites? Je prends 100 euros de gâteau, tu vois? C'est bon. Mangez, c'est bon. Vas-y. C'est pour ça, c'est pour moi. Hein. Ben non. MDR, bah non. Tu te prends pour c'est qui? Pas pour toi. C'est pas pour toi. Attends. Je crois pas. Tu vas attendre. C'est pas mon gâteau. C'est mon gâteau. Non. Viens, ma gâteau. Laisse-moi, je fais. J'ai payé. Bah non. Tu vas bien. Les caméras te voient. Ma caméra me voit aussi. Abou, attends à ça. C'est quelqu'un, je sais. Mais je vous jure, il est culotté, votre youtubeur de merde là. Il est merde. Il prend son côté, il me jette et il me dit, je ramasse. Non, est-ce que Aouka, oui, tu belles, mais une congolobe. Mauvais onde, mauvais onde, loin de moi. L'esprit de haine qui veut te jalouser. Voilà ce qu'on a appris, les gars. Dis n'importe quoi. Vas-y, paye. Kabako. Paye. Mets-toi là. Tu arranges. Comme tu as payé là, maintenant tu as me dit range. C'est ça, vous. Je m'impatiente. Tu as payé, laissez ça finir sur ton camarade. Hein. Allez. Tu te dépêches. Bitoloti. Franchement là les gars, je m'impatiente. Ma femme est en train de ranger les courses. Calé. C'est pas comme ça à Poitiers? C'est où la sortie? Donc là les gars, on est arrivé à l'hôtel. Escorté. Aïe. On est escorté. On est des stars, on est escortés. Son accent, merci. Ça va toi, t'es pas trop fatigué? Moi non. T'as été congé à la route. On t'a pas fatigué, ça va? Non, t'es fatigué, on t'a fatigué. T'es très patient. Entre la musique, le maître moniteur de Bordeaux. Si vous passez par là, quand vous voulez passer le permis, il faut passer chez lui. Voilà, il s'appelle Nguyen. On est ensemble. Comme moniteur de Paris. Nguyen. Votre directeur ou je sais pas qui a tout payé. Oui, oui. Vous n'avez pas les petits déjeuners par contre. Pas de soucis. Voilà. C'est la 423, c'est le rez-de-chaussée du bâtiment F. Donc là, vous allez ressortir longé, c'est le bâtiment qui tourne sur la gauche. L'entrée tout à fait à gauche au rez-de-chaussée. Merci. Son accès, il m'énerve. Ouais. Enfin. Bismillah. Je te jure. Ça va, c'est bon. BG. Frappe demain. Je vous appelle quand je suis là. Pas de soucis. Vas-y. Bonne nuit, reposez-vous. Bonne nuit, rentre bien demain. Okay. Merci encore. Tout le monde t'a assuré, voilà. Ouais. Merci. Vas-y, au revoir. Sans, je vais chier. Hey. Si tu as fait pipi avant moi. Du coup, les gars, j'en profite pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on est ici, pourquoi on est venu à Porto, bref, le déroulement. En gros, comme vous le savez, de toute façon, je vais faire une story time dessus. J'ai changé d'auto-école au total 3 fois, si je dis pas de bêtises. Faut savoir que Abolu, il est en partenariat avec Grand Moniteur de Paris, moi non, parce que j'ai décidé. Genre, moi, je suis pas venu, oui, bonjour, je suis youtubeur, je suis pas bon. Ça m'intéresse pas, enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est bon, quoi. Hein. Je suis pas non, même si oui, faut utiliser, nanana, ça va. Bref, ce qui fait que pendant les soldes, la semaine du 11 au 14 janvier, Abolu m'a envoyé un message pour me faire part comme quoi Grand Moniteur de Paris, ils faisaient moins 50% sur tous leurs forfaits. Du coup, moi, je me suis dit, tant qu'à faire, en vrai de vrai, parce que les deux autres écoles où j'étais, j'avais échoué mes examens blancs, ils m'avaient dit comme quoi, vas-y, je devais avoir, genre, je dois placer 10h, 8h et tout. Les gars, j'en avais marre de mettre de l'argent. Ça fait plus d'un an que j'ai commencé la conduite le 7 décembre 2022. Est-ce que vous vous en rendez compte?
Ça fait que du coup, je suis venu faire leur dévaluation. Et à ma grande surprise, malgré que la monitrice, coucou Muriel, si tu passes par là, elle mettait grave la pression, mais c'est une bonne pression, vous voyez. Ce qui fait qu'elle m'a dit, mais ma mère, mais clair, en fait, tu auras largement le... Genre, on peut partir sur 10 heures de conduite. Non, on peut partir sur 10 heures de conduite avec une date. Et là, je m'étais dit, mais attends, la voici m'a dit 10 heures, sauf que là, non seulement il y a une date à la clé, et en plus de ça, c'est moitié prix. Donc, je me suis dit, ok, les yeux fermés, les gars, j'ai accepté. Ce qui fait que j'ai eu 6 heures de conduite intensif à Stein, raison pour laquelle vous me voyez à Stein, etc., etc. Et elle avait, au début, elle m'avait donné comme date le 19 janvier. J'ai fait, on va se calmer, hein, la semaine prochaine, c'est là, doucement. Du coup, on m'a dit le 25 janvier, on m'a dit Paris. Si c'est Paris, ça va être un peu plus long. Si c'est Bordeaux, bah, dès maintenant. Genre, Bordeaux, c'est dès maintenant. J'ai dit, bah, je veux tout de suite. Moi, je m'en fous. Oui, mais Bordeaux, c'est loin. Non, mais... On m'a dit, ouais, mais il fallait attendre. Pourquoi partir si loin? Non, non, non. Eh, c'est pas vous qui passez le permis. C'est pas vous qui, depuis un an et demi, vous galérez à avoir ce permis. Donc, arrêtez de juger ce que j'ai envie de faire, en fait. Donc, j'ai décidé d'aller le passer à Bordeaux. Non seulement parce que la date, elle était plus proche. Et en plus de ça, on n'est même pas dans Bordeaux. Même, on est à Mérignac. Les gars, c'est la campagne ici. Depuis 12h30, on conduit. On a conduit pendant 6 heures. Les gars, je peux vous dire que easy. Franchement, qu'Allah nous accorde ce permis, Inch'Allah, on verra demain. Mais je suis confiant, j'ai même pas ce stress-là, le moniteur, rien à dire. D'ailleurs, du coup, j'ai fait la route de Stein à Bordeaux avec Kevin. C'est le directeur du grand moniteur de Paris, lui aussi. Ils sont tous sympas, en fait. Rien à dire. Là, je suis même pas en partenariat avec eux. Hein. Mais gros cœur sur vous. Franchement, les gars, si vous cherchez une auto-école, n'hésitez pas. Genre, vous pouvez croire, parce que vas-y, il y a beaucoup de monde, certes, les influenceurs, etc., etc. Non, 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 non. Tout le monde est traité de la même manière. Pour vous dire, moi, ils savaient pas que je faisais des vidéos YouTube. Hein. Les gars, croyez-moi que je vous disais. Du coup, voilà. Là, j'ai hâte. Je vous laisse. Je vais aller... On va faire tout ce qu'il y a à faire. On se retrouve demain. Prenez soin de vous. Passez une bonne... Bon, nous, on va passer une bonne nuit. On va essayer de se reposer. Ah bon, moi aussi, j'ai envie de faire caca. Là, il était bon. Hein. Oh. Ça, c'est quel caca qui finit pas. Coucou, les gars. J'espère que vous allez bien. Santi Malelo, ni ma vécu, ni de ses enfants moyens. Avec rien de comme nous gagner. Avec ça, on a pour nous gagner. Prenez position pour vous. Vas-y, moi je suis là dans 5-6 minutes quoi. Ah bah vas-y, non, ce sera bon. Ok. Ok. Abou il est là dans 5-6 minutes. Ça va Abou? Ça va, un bel et toi? Alors ton ressenti, tu le sens bien ce matin? T'es stressé? Ouais. Ouais quoi? Un mot à dire aux abonnés qui passent le permis, peut-être? Pour ça, j'ai pas de mots à dire. Ça va, bien? Recule. Ça va et toi? Désolé d'avoir fait attention. Vous avez bien dormi? Ouais. Comme des bébés. Toi, t'as bien dormi? Ouais, tranquille, comme d'habitude. Quelle est la conséquence d'une température trop élevée de ce liquide? Quelle est la conséquence d'une température trop élevée de ce liquide? Surchauffe du moteur. Tiens, compliqué. Hein. Regarde les questions de vérification, c'est franchement. Ouais, c'est que de la logique. C'est que de la logique. Liquide de refroidissement. Donc le liquide de refroidissement, son rôle, c'est de refroidir le moteur. Ouais. Donc, si il y a une anomalie, forcément le moteur va chauffer. Ok, lors d'un appel avec les secours, pourquoi devez-vous attendre que votre correspondant vous autorise à raccrocher? Bah, pour lui donner toutes les informations, non? Ouais. Parce qu'ils arrivent. Les informations. Comment? Au cas où s'ils ont besoin d'autres informations. Au cas où s'ils ont besoin de d'autres informations. Bah oui. Ok. Oh, c'est vraiment de la logique. Hein. On est bêtes. C'est l'homme qui a peur. Ensuite, question numéro 84. On l'a pas faite. Elle est là. C'est une question extérieure. Vérif extérieur.
sur le flanc d'un pneumatique. C'est quoi le flanc d'un pneumatique déjà? Tu vois le truc là, est-ce que c'est pas le truc là au milieu, tu dois mettre ton doigt comme ça là et puis tu regardes s'il y a le truc là. Si le pneu. Réponds d'abord à ma question. Qu'est-ce que c'est le flanc d'un pneumatique? Je sais pas. Voilà déjà, tu vois. Tu peux me parler des témoins d'usure. Est-ce qu'on a fait un truc là, hein, les témoins d'usure, ouais. Oui. Mais d'abord, il faut savoir c'est quoi le flanc. Le flanc, c'est sur le côté du pneu. Ok, ouais. Ok. Donc, écoutez bien. Désignez maintenant le repère du témoin d'usure. En gros, tu mets ton doigt. Moi, je connais. Et tu regardes s'il y a un espace entre ton doigt et. Sur le flanc, on a parlé d'abord sur le flanc. Aïe. Le flanc sur le côté. T'es cassé, c'est compliqué. Ah, ça, je sais pas. Bah, il y a un petit triangle en fait. Ouais. Y a un petit triangle. Ouais. Qui veut dire en gros, ça, c'est le témoin. Mm-hmm. Ok. Mm-hmm. Et, tiens, quel triangle? Sur le pneu, je vais te montrer juste après. Là. Ok. Ok. Par ta tête, tu fais un bout. Ok. Tu respires tranquille, ça va bien se passer. Tu me chasses. Tu dégages bien et tout, ok. Ok. Ça va bien se passer, t'inquiète. One eternity later. Les gars, je viens de passer le permis. Je viens de passer l'examen du permis. Oh, je suis chaud. Genre, je sais pas, genre. Franchement, ça s'est super bien passé. Le seul truc, c'est qu'à un moment donné, il allait appuyer sur la pédale de frein. Oh. Arrête de me filmer là. Ça va mon bébé? T'as pas fait de faute éliminatoire, donc t'as tes chances. Tu seras noté en fonction de bah, des points. Mamé, attention, zone de rencontre, 20 km/h. Ah ouais? Là où t'es parti faire la manœuvre. Ah oui, c'est vrai. Bon, après ça va jeter. Ah oui, c'est vrai. Ah, oui, t'es à 30, 35. Ouais. T'as un mot à dire à bout. Mamé, comment on coupe ça là? Coupe ça, déjà là. Coupe ça, mamé, je reviens même pas que toi. C'est la fin. On va attendre les résultats. Voilà. On croise les doigts. On croise les doigts et on espère que tout va bien se passer pour Abou et pour moi. Ta caméra m'énerve, j'ai juré. Enlève ta caméra sur moi, la vérité, je vais la casser. Tu casses, tu repays où? Il est temps de quitter NBA. Oui, voilà. T'es conduit correctement, les gars, mais voilà, il y a eu des petits défauts. Donc on va voir. On espère, on espère. Soirée Bina Potazo avec la jambe des os. Pour vivre, Francis Ngannou. Tata, arrête de mettre ta caméra sur moi. Est-ce que tu me mens? Est-ce que tu me mens? Est-ce que tu me mens? Et tata, tata, bébé, tata, est-ce que tu me mens? Est-ce que tu me mens? Voyez, Abou, comme vous ne l'avez jamais vu. Là, tu vois comment tu te moques de moi dans le Turquie là quand elle a raté le vol. Mamé, la même chose. Abou Mounekera. Mamé, bib. Enlève la caméra sur moi-même. Je connais pas que toi. Jugu yere ni topo yere ke Marie Louise Jojo Jurumini ah Marie Louise Nyompo dida Marie Louise Wala yi kamera ura da ka nyoro mala o mai do Kana yo tora mama ko dia ne ka si bon mi chama o. Et la fin. Merci Nguyen. On est ensemble. Meilleur moniteur de bord de les gars, si vous avez besoin. On se tient au courant. T'inquiète pas. C'est gentil, merci, merci. On se tient, putain, je t'en prie. On se tient au courant pour les bonnes nouvelles. Ouais. Pour les bonnes nouvelles. Dès que t'as les résultats, tu m'appelles. On est arrivé à Oriental. Bon appétit à bout. Après l'effort, merci. Le réconfort. Merci. Pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez à quel point nous avons souffert pour ce permis. Et comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Car oui, j'ai eu mon permis par la grâce de Dieu. Malheureusement, ce n'a pas été le cas pour Abou, mais on baisse pas les bras et on prie pour qu'il l'ait. Merci d'avoir regardé la vidéo, prenez soin de vous et j'en ferai de même. Bye!
Vincent. Les